C'était un bon concert qui a duré très très longtemps. Les chansons étaient très courtes. Ça va, donc c'est pas comme d'habitude. Hein. Pas comme au Sénégal où il y a beaucoup de balar. Là, c'était varié, vraiment, ça a été. Dakar, il peut ne pas chanter, tout le monde chante à sa place, donc là il y avait pas, il y avait un public un peu varié, donc on était très enthousiastes, il y avait beaucoup d'énergie, c'était très bien, mais c'est vrai que je pense qu'il est habitué à avoir un support encore plus grand quand il est dans sa ville. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu Youssou N'Dour, donc c'était vraiment de la joie de venir le voir. Ça me fait voyager, ça me fait retourner au pays. Voilà, j'ai beaucoup aimé, on a bien dansé. Mais voilà, là, je me suis bien prise dans l'ambiance et je trouve ça très agréable, de ce premier contact en tout cas. Très très bon, Youssou en forme, vraiment. Toujours aussi professionnel, sachant chauffer une salle avec une aisance évidente. Et j'ai trouvé que parmi les gens de son orchestre, il y avait d'une part le gars qui dirigeait, disons tout ce qui est djembé, et lui-même qui jouait du djembé, qui était vraiment d'un très très bon niveau. Et d'autre part, et surtout, le gars qui jouait du tama. Et lui, il jouait remarquablement du tama. Vraiment, il a fait quelques solos. Moi, j'ai regretté qu'il n'en fasse pas plus. C'était un très, très bon concert. Et puis Youssou N'Dour au Cirque d'Hiver, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Africain de l'ampleur de Youssou N'Dour au Cirque d'Hiver. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir la famille. Ça va à Paris ?